J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui, let's play, ça faisait un petit moment, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu stream depuis 2 semaines et du coup, bon voilà, me voilà de retour sur l'île Maeve, sur l'île Bisounours. J'ai fait pas mal de petits changements, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça pour que vous puissiez m'aider, me dire qu'est-ce que vous en pensez. Bref, je vous montre la carte de l'île parce que du coup, ça a légèrement changé. J'ai très légèrement, en fait, dévié la rivière, mais je ne l'ai pas encore bien remodelée, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Mais je vais tout vous expliquer, j'ai changé l'arrière de chez Laura. J'avais absolument envie de faire l'arbre géant féerique et je trouvais que c'était cool, même si la vision n'est pas incroyable avec la maison de Laura. Peut-être la déplacer, la reculer un peu, enfin bref, je vais vous montrer tout ça et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Allez, jusqu'à présent, on est devant chez moi. On va pas descendre par ici, on va descendre par là. Ouais, je suis pieds nus et en vrai, je trouve que ce petit look, il est juste parfait pour le thème de l'île. Bref, du coup, on arrive juste ici. Alors, juste ici, j'avais envie de faire comme une espèce de port, mais où on ne peut pas vraiment descendre, juste une illusion un peu d'optique. Bon, évidemment, c'est absolument pas du tout fini. D'ailleurs, j'ai des fleurs dans mon inventaire, je vais les jeter parce que j'en ai pas besoin. J'ai essayé de nettoyer un maximum parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Comme j'étais vraiment jamais venue jouer par là, et ben, c'était blindé. C'était blindé de chez blindé. J'ai gardé que celles qui étaient rares et toutes les autres, je les ai jetées. J'ai également dans mon inventaire des fringues à offrir aux habitants comme d'hab. Va falloir qu'on passe chercher du papier cadeau. Ici, il y a certainement, enfin il y a sûr et certain un géroïde qu'on va récupérer tout de suite. C'est parti, attention. C'est le zonzoïde. Ok, je sais plus du tout à quoi il ressemble. Attendez, regarde vite fait. Alors, le zonzoïde, voyons voir à quoi tu ressembles. Placé. Oh oui, oh zut, purée. Ok, il est super cute. Je sais pas ce que vous en pensez, il est très 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 cute. Bref, du coup, bon, voilà ce que ça donne un petit peu. En fait, en vrai, en dessous, vous avez vu, c'est juste des rochers. Bah, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'effet d'optique. Genre, comme si le camping, c'était un port. J'avais vu un truc un peu comme ça sur une île et je trouvais que c'était une très très bonne idée. Il est 9h du mat'. Je sais pas si on va réussir à croiser les habitants. Il y en a certainement qui sont en train de dormir, mais bon, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben là, il y a la maison de Miro qu'il va falloir qu'on déplace. Et d'ailleurs, il est chez lui. Ah non, j'ai pas de papier cadeau. J'ai pas de papier cadeau. Vous savez quoi? Il faut qu'on file tout de suite chercher du papier cadeau. Comme ça, au moins, en même temps qu'on fait le tour, eh bien, ça va être plus simple. On va récupérer aussi les géroïdes parce que c'est cool de récupérer plein de géroïdes. Vu que j'en mets absolument partout sur mon île. Ouais, j'en mets vraiment, vraiment partout. Et là, cette fois-ci, c'est qui? C'est le mascoïde. Ok, j'arrête pas de l'avoir celui-ci. Il y a la plage de Runard qui se trouve juste là. J'ai pas encore trouvé l'idée. Je sais pas ce que je vais faire encore. Bref, ce petit coin-là, il a pas encore été nettoyé. Il va falloir qu'on le nettoie. Et le musée d'ailleurs, il va pas rester là. Hein. Il va pas rester là. Le ballon, on va le récupérer plutôt d'en bas. Je sais qu'il y a une... j'allais dire une liane, n'importe quoi, une vigne qui se trouve juste ici. On va descendre et on va récupérer le lance-pierre parce que de toute façon, si je l'avais récupéré en haut, eh bien, j'aurais perdu le cadeau. Il aurait disparu dans les fleurs. Allez. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Drago, va falloir absolument que je rush pour qu'il se barre de l'île pour qu'on puisse aller chasser ben, d'autres habitants. Qu'est-ce que c'est? Oh, la baguette coquillage. C'est sûr que j'ai pas ça. Ah là là, trop cool! Trop trop cool. D'ailleurs, Célia m'avait demandé qu'est-ce que je voulais comme plan absolument. Et j'ai totalement oublié. Enfin, j'ai pas oublié, j'ai absolument pas du tout eu le temps de regarder. Donc, désolée ma petite Célia. Mais je vais essayer de me pencher dessus. Ce que j'aimerais bien en priorité quand même, ça serait de stream Fall Guys. Je sais pas qui joue à Fall Guys. Mais apparemment, j'ai entendu dire que c'était génial. Donc bon. Bon, je connais évidemment, mais sur Switch, j'ai trop trop hâte de tester.
Alors, je regarde en même temps, ça n'a pas une petite bouteille à la mer ou un fragment de géroïde. Ok, le mannequin sur la plage qui fait flipper de ouf. Va falloir qu'on l'enlève parce que franchement, je sais pas ce que vous en pensez, il n'est pas du tout dans le thème. Et tout de suite, eh ben, go récupérer du papier cadeau. Hello, hello, ça faisait longtemps. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse dans la boutique, du coup on n'achète que le papier cadeau. Ce que je fais, c'est que comme d'habitude, attendez, on découvre ensemble la couleur du papier cadeau. Ah là, là, il y a du rose. Eh ben, go prendre que du rose. Et comme d'habitude, j'emballe tout et on se retrouve juste après. Bon, c'est parti, voyons voir, est-ce que Marty... Ah bah Marty, oh, oh là là, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, mais je vous jure... C'est pas possible sur cette île. Ah là là, mais la dinguerie. Ils sont tout le temps en PLS, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, j'avoue, ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas ouvert le jeu. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est parce que j'ai pas eu le temps hein, aussi. Hein, voilà. Ah là là, vous pensez qu'il a quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a envie de se barrer? Ah là là, on lui parle pas. On lui parle pas. Oh, mais bien sûr que oui. Oh là là, j'allais zapper. Je ferais bien, je sais pas quoi. Je pense qu'à mon avis, il est fort probable que ce soit une bulle. Eh ben, ah ouais, c'est peut-être une bulle de départ. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On ne lui parle pas. Et je vais rush après pour essayer de faire partir Drago. Ah là 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 là. À chaque fois, je fais l'erreur de leur parler. Et puis après, je regrette. Et je me dis, mais mince, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et du coup, eh ben, on va essayer de faire partir. Eh ben, tant pis. Il n'aura pas de cadeau, lui, aujourd'hui. On lui parle surtout pas. Faut pas misclic. Bon, ben... Allez, salut! Fais-toi bien des gros nœuds au cerveau. Ok, bon, on continue cette tournée de cadeaux, évidemment, et il faut que je vous montre aussi, évidemment, chez Laura. Ici, il n'y a personne. Hein. Je pense pas qu'ils viennent trop se balader par là. En plus, c'est plutôt chez Marty, donc en vrai, bon, je pense que ce côté-là de l'île, puis Drago, il n'était pas chez lui, ou il était peut-être en train de faire dodo. Et du coup, on va arriver... bah, il y a Agnès aussi sur la plage. Ah bah, attendez, ah bah non, j'allais dire... Carrément pas, c'est Jason. Salut toi, oh là là, cette beauté. Bon, on regarde juste vite fait si Agnès, elle est chez elle. En même temps, on regarde aussi s'il y a une bouteille à la mer. Ah, bah regardez, elle est en train de pêcher. Elle est en train de pêcher de bon matin. Salut toi, Maeve, depuis le temps. Bah ouais, t'as vu, ça faisait longtemps. Hein. Bah, après, bon, j'ai pas mal enchaîné pas mal de trucs. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas pu venir faire à vous voir. Mais bon, j'ai fait quand même des travaux sur l'île aussi, ça compte. Oui, oui, ça compte. Et regarde, j'ai la même robe que toi. Ah là là, on dirait deux jumelles. Allez, tiens, voilà, c'est pour toi. Je pense qu'à mon avis, ça va pas être exactement un truc aussi bien que la robe qu'on porte aujourd'hui. Hein. Alors ça va être la surprise, je pense qu'il y a vraiment des trucs pas terribles du tout. Hein. Pas terribles du tout. Attention, qu'est-ce que c'est? Une tenue de catch! Ok, quelle couleur? Vas-y. Ah là là, en vrai ça va, ça passe! Non mais en vrai ça passe de ouf. Hein. Un débardeur de basketball. Ok, merci beaucoup. En vrai, franchement, ça passe. Ouais, bref. Bon, ok, bouteille à la mer et ensuite on file chez Laura pour que je puisse vous montrer un petit peu... ce qu'il en est. Allez, alors, tutut, attention. Bon, bah pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la déco de chez Laura, nous sommes dans un univers un peu magique, féerique. Bon, un peu comme toute l'île en vrai. En vrai, un peu comme toute l'île. Et Laura, en plus, je vois qu'elle est chez elle. Bon, j'ai déplacé quelques petites choses, mais je pense qu'à mon avis, vous y verrez pas grand chose. Et ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est déjà, devant chez Laura, regardez, les grottes. Eh bien, on les voit beaucoup mieux comme ça parce qu'en fait, du coup, je les ai rapprochés. Et eh ben, vous savez quoi? On va d'abord offrir le cadeau à Laura et après, je vous montre l'arbre géant. Oh, elle est en train de craft! Salut, toi! Ah là là, c'est trop moche ce qu'elle porte. C'est absolument trop, trop chum. Content de te voir. Peut-être que tu m'évites pas finalement. Bah non, je t'évite pas du tout. Hein. En vrai, c'est juste parce que j'étais un peu... J'ai plein de choses à faire, je vous ai même pas dit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ah là là, n'hésitez surtout pas. Alors, bah je n'en dors plus, hein, vas-y, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Une étagère en bois de fer. Je crois que je connais déjà ça, non? Il me semble que oui, bon c'est pas grave, je récupère le plan quand même. Allez, merci, vas-y, donne. Ok, c'est incroyable. Par contre, ta tenue, franchement, ça va pas du tout. Hein. J'espère qu'on va t'offrir un truc un petit peu plus joli aujourd'hui. Je sais pas, on va voir. Vas-y, vas-y. Ok, c'est incroyable. Une étagère de bois. Bah oui, une étagère en bois de fer, c'est trop trop cool, quoi. Tu racontes quoi? Bon, bah tu racontes quoi, hein? Attends. J'ai quand même un cadeau pour toi. Tiens, c'est pour toi. Bah, j'aurais pas dû. Bah, si. Alors, celui-ci. Voyons voir. On espère, franchement, j'espère que ça va être un truc qui va être pas trop mal quand même.
Un tablier cousu par maman. Ah, c'est pas mal en vrai, ça. C'est Mimi. Oh oui. Ah là là, il aurait été 10 fois mieux pour Léa. Ah là là, en plus, elle m'offre rien en retour. J'avais zappé que les trucs de maman, il fallait pas leur offrir, que c'était éclaté. Attendez, je vérifie quand même l'étagère en bois de fer. Ah, je connaissais, c'était sûr. Bon ben, salut Laura, bye bye. Ok, bon ben, voilà, ça c'est fait. Bref, du coup, bon, tout a été un peu décalé. Et attention, nous voilà arrivés devant l'arbre géant magique. Féerique, magique, magique, on va dire magique parce que c'est plutôt magique du côté de chez... Enfin, magique et féerique, en vrai c'est un peu la même chose. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je sais pas ce que je pourrais mettre ici. Franchement, je sais pas. Du coup, j'ai modifié le motif que j'ai fait, que j'ai agrandi un petit peu, que j'ai fait venir par ici et par là. Du coup, voilà ce que ça donne. Ouais, j'ai mes Joy-Con qui bug totalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai mis des lampes champi. Et je trouvais que c'était cool comme ça. N'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est sympa? De nuit, franchement, c'est assez cool. Et réellement... Bon. Ah, voilà. Je me disais bien que c'était mieux un peu plus loin. Qu'il fallait que je m'éloigne. J'avais... Peut-être... Je me disais qu'il fallait que je recule un tout petit peu sa maison, genre d'une case. Je pense que je peux pas plus, de toute façon. Je pense que je peux la reculer peut-être que d'une case. Et ben, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que du coup, ben, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bref, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, cette petite modification. Et l'ajout, évidemment, de l'arbre géant magique. Bref, bon, les Joy-Con, ça commence à m'agacer de ouf. Et donc, du coup, et ben, voilà ce que ça donne ici. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a la maison de Rosalie qui traîne en plein milieu, juste là. Oh là là, mais ça bug de ouf, les Joy-Con, c'est hyper agaçant. Elle est chez elle, ça tombe bien, on va aller la voir tout de suite. C'est parti. Salut toi! Oh là là! Comment ça va? Elle a mis sa tenue de Saint-Patrick. Elle est en train de boire son petit café. Aïe, Maeve! On discute enfin! Ben ouais. En vrai, tu m'as manqué. Moi aussi, tu m'as manqué! Cette beauté là, c'est toujours sympa de te voir. Ben ouais, écoute, moi aussi, je trouve que c'est sympa de te voir. Tiens, j'ai un cadeau. En plus, ma robe, elle va bien pour l'intérieur de chez toi. En vrai, franchement, c'est plutôt assorti, même si, bon, l'intérieur de chez toi éclate un peu les yeux. Mais à part ça, bon, tout va bien. J'espère qu'il est bon ton petit café, tu kiffes. J'espère que tu vas avoir une tenue sympa, parce qu'en vrai, pour l'instant, les autres, c'était pas trop ouf. Hein. Une chemise hawaïenne ananas. Ah là 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 là, ça va être pas mal. Vous savez quoi? Je pense que ça va être pas mal. Vas-y! Aïe aïe aïe. En vrai, vous savez quoi? Elle est cute avec. Elle est très 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 cute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la tenue la plus éclatée que les habitants eh bien, ont eue. N'hésitez pas à me dire sur ce let's play, évidemment. Hein. Bon, ça t'a plu, c'est génial, c'est incroyable. Elle m'a offert un truc en retour ou pas du tout? Oh, elle m'a rien offert en retour. Mais c'est une blague? Elle m'a rien filé en retour. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ah là là. Parce que ça coûtait peut-être pas très cher, ça doit être pour ça. Bon, allez, salut! Bon, les habitants, ils sont quand même hyper intéressés par les trucs qui valent cher. Hein. Bon, la rivière dont je vous parlais au début, c'est celle-ci. Et normalement, elle passait un peu plus loin, plus vers le fond. Et du coup, ça faisait un peu étriqué. C'est pour ça que je l'ai déplacée ici. Et va falloir que je la refasse parce que c'est pas terrible du tout. Hein. C'est pas terrible du tout. C'est pas ouf. J'avais envie de faire un truc aussi. C'était juste à partir d'ici, en fait, il y a les oreilles de l'ourson géant. Je sais pas si vous arrivez à capter sur le plan. Et je voulais faire partir, descendre de l'eau, couler de l'eau plutôt, pardon. Et en fait, c'était moche. C'était très 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 moche. Donc du coup, j'ai zappé, j'ai enlevé. Mais bref, l'idée en soi était plutôt pas mauvaise. Mais ça rendait vraiment pas bien du tout, c'était très très moche sur le plan. Du coup, ben, j'ai stoppé. Bref, on est devant chez Miro, c'est parti pour son petit cadeau. Salut mon petit Miro, mais chez lui c'est beaucoup trop mimi. J'aime trop son intérieur de maison. Attends, viens par ici. Ah là là, j'arrête pas de le dire, il faut absolument que je prenne le DLC pour pouvoir le rush très très vite, pour pouvoir faire les maisons des habitants, parce que franchement ça me hype de ouf. Après la dernière île que j'ai visitée, franchement, les intérieurs que j'ai trouvés incroyables, mais vraiment vraiment incroyables, j'ai trop envie, ça m'a trop inspiré de ouf. Bah reste pas planté, j'ai pas trop quoi, ok c'est cool, bon bah moi j'ai un cadeau, ouais les amis, les insectes, ouais c'est toujours aussi incroyable ce que tu me racontes. Alors voyons voir, tiens ça te fera plaisir, j'espère qu'il va tomber sur un truc sympa, en vrai, presque à chaque fois c'est pas mal, hein. Tiens celui-ci, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. En tout cas, le petit pull qu'il porte aujourd'hui, il est trop beau, il lui va trop trop bien. Je rêve, impossible, tu m'offres un uniforme de fast-food. Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Ah là là. Oh, ça va être cute. Une grenouillère, oui. Ah là là, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vais voir après la couleur que c'est.
Alors attention, waouh, mais regarde, mais il est trop cute, ça lui va trop bien. Ah là là, est-ce que c'est validé ou pas? Ah oui, c'était ça qu'on lui avait offert, c'était éclaté. C'était pas ouf du tout. En vrai, ça lui va trop 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 bien. Bon, allez, bonne journée, bye bye. Bon, voyons voir cette grenouillère, la couleur qu'elle a, parce qu'en vrai ça m'intéresse de ouf. Placée. Ah, trop mignonne, j'aime beaucoup. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. J'aime trop la couleur, je suis trop fan. C'est une de mes couleurs préférées, un peu bleu, vert, pastel là. Est-ce que Myrtille serait-elle chez elle? Non, soit elle fait dodo, ou soit, je sais pas. Ici, il y a une vigne, on va pouvoir descendre, voir si on a une petite bouteille à la mer. Pas de bouteille à la mer à l'horizon. Non, non, non. Du coup, eh bien, non, il y a Vanessa aussi. Vanessa, elle est réveillée. Magnifique. Et bon, c'est parti. Oh, mais regardez, la myrtille. La myrtille, elle est chez la Vanessa. Attendez, on parle d'abord à Vanessa parce qu'on est quand même chez elle. Tiens, regardez-moi qui voilà, coucou. Mev, ça fait un bail, je t'ai plus. Je t'ai plus tenu le crachoir. J'aime trop leur dialogue aussi aux grandes sœurs. Enfin, je savais que t'étais dans le coin. Mais on avait toutes les deux trop de taf pour bavasser Griffouille. Ben ouais. Et t'en vas pas toi, hein? Ah là là, regardez, elle a mis cette espèce de petite chemise. En vrai, franchement, ça lui va pas trop mal. Ça lui va pas trop mal. Voyons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va avoir. J'espère qu'elle va m'offrir quand même un truc en échange, hein. Tiens. Sinon, ben ouais. Je crois qu'il y avait des salopettes de ferme, des trucs en jean, je sais plus trop quoi. Attention, voyons voir. Ah ben voilà, une salopette en jean. Eh ben magnifique. Je pense que ça devrait bien lui. Oui, c'est trop cute. Très 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 mignon, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est cool. Et elle m'offre un t-shirt imprimé floral. Merci beaucoup. Mais elle est trop mignonne, regardez-moi ça. Trop cute. Bon, ah mince, elle s'est assise. Est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'elle se lève si je la pousse? Ah, je peux peut-être pas la pousser. Ok, t'étais tellement occupée, ok, c'est un. Attendez. Ah non, je peux pas la pousser. Allez, lève-toi. Ah là là! Je crois que dans les intérieurs de maison, on ne peut pas pousser les habitants pour qu'ils se lèvent. Je m'étais déjà aperçue de ça la dernière fois. Oh, regardez cette tête qu'elle fait! Aïe aïe aïe, je peux pas. Peut-être que si je lui parle plusieurs fois, j'ai trop la flemme là, en papote. Trop la flemme de sortir et de ressortir. Allez, s'il te plaît, lève-toi, sois sympa. J'ai un truc à t'offrir. C'est toujours sympa de te voir. Ouais, t'as vu, c'est cool. Hein. Allez, 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 allez! On se lève, on se lève, on se lève. On arrête de lire son petit bouquin là et on se lève. Bon, je pense qu'à mon avis, je suis en train de perdre du temps de ouf. Si j'étais déjà sortie et tout, je pense que ça aurait déjà fait gagner du temps. Bon, je force de ouf, mais non, ça ne marche absolument pas. Et ben, vous savez quoi? Obligé de sortir et de rentrer, hein. Oui, me revoilà. Non, 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 va pas t'asseoir, toi. Oh, tu as deviné que j'étais ici? Bah, je viens de te voir là. Oh. Mais quelle mémoire! C'est pas possible. Alors, voyons voir. Est-ce que tu serais pas une tête de linotte comme moi, toi? Tiens, ta dame, qu'est-ce que ça va être pour elle? Attention! Ouvre-le! Qu'est-ce que c'est? Une salopette. Oh, une salopette en jean aussi, mais je pense qu'elle n'est pas de la même couleur. Il me semble qu'elle est blanche. Si je dis pas de bêtises. Attention! Ah là là, trop cute de ouf! Un maillot de foot, incroyable. J'adore le foot, mais bon, porter des maillots de foot. Si j'en ai un, du Barça, qui est très vieux d'ailleurs, du joueur Kluivert, gardien de but. Regardez-moi ça! Mais ça lui va beaucoup trop bien. Mais elles sont beaucoup trop mignonnes, regardez-moi ça. Oh non, elles sont trop cute! Bon, allez, salut les filles, amusez-vous bien, bye bye! Ok, bon, Vanessa et Myrtille, finalement, c'est cool. Du coup, attendez, parce que je suis en train de passer par ici, mais je sais que par là, c'est un peu compliqué pour traverser. Me semble-t-il que c'est par ici, si je me trompe pas. Alors, on n'a pas croisé Drago, on n'a pas croisé. Qui c'est qu'on va croiser d'autres? Ah, je vais le coincer. Aïe aïe aïe, je vais le coincer, il faut que je me décale un tout petit peu d'un côté. Allez! Aïe aïe aïe, on traverse là, ici? Yes! On n'a pas croisé Candy non plus. Voyons voir sur la plage ici, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui traîne? Petite bouteille à la mer peut-être? Non. Pas de bouteille à la mer. Le petit lapin de dos, ok. Attendez, je range la perche. Ici, Candy est souvent ici en train de réfléchir et en train de se faire des gros nœuds au cerveau. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Ok. Ah! Drago est ici. Salut toi. Salut, tout va comme tu veux. Bah ouais, écoute, tout va très très bien. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. J'espère qu'il va te plaire. J'espère qu'il va bien t'aller. Oh ouais, je lui avais offert ça et vous ne l'aviez pas vu parce que c'était pendant un soir où j'étais en train de rush l'île. Il a un maillot de baseball sur lui. Et en vrai, vous savez quoi? Ça lui va grave bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime énormément le petit style là avec le petit maillot comme ça à rayures. Franchement, c'est cool. Attention, il y avait une salopette de fer, me semble-t-il. Est-ce que ça serait pas ça? Un blazer à emblème. Attention, on va voir comment ça fait sur lui.
Ah là là, c'est vert comme lui. C'est pas mal, c'est pas mal. Une tenue de rugby. Ok, vas-y, de toute façon, ça c'est un truc que je vais vous refiler aussi. Hein. Merci beaucoup, c'est super sympa. Oh, bouteille à la mer, parfait. Voyons voir un petit peu. Est-ce que ça serait pas un nouveau plan? Ça serait cool. Ça serait très 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 cool. Attention, qu'est-ce que c'est? Une plaque... Ah, je connais déjà ça, non? Ouais, je connaissais déjà. Ok, est-ce qu'on n'aurait pas un petit fragment de gyroïde? Peut-être qu'il a plu entre-temps, on va voir. Est-ce que le gyroïde s'est fait? Mais il me semble qu'il a plu entre-temps. Donc il y a moyen qu'on récupère un gyroïde, on va voir ça. Aïe, 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 je passais pas. Attention. Ah yes, parfait. Parfait, c'est parfait. Un poufoïde. Il est trop cute. Je sais pas si vous connaissez, je vous montre. Je vous montre. Et d'ailleurs, la dernière fois, sur mon ancien let's play, vous savez ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié de finir la quête de Gulliver. Et je m'en suis aperçue qu'après. Oui, il est trop rigolo, lui. Regardez, j'adore. Oh, regardez-moi ça. Il est trop, trop drôle. Bref, alors attendez, il manque Candy. J'arrive pas à... Bon, il y a Marty, à qui on peut pas offrir, évidemment, parce qu'il est en train de se faire des nœuds au cerveau. Et évidemment, on va le laisser se prendre la tête grave. Et je sais pas qui... Ah, Léa, regardez cette beauté. Aïe, 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 viens par ici. Alors, ma petite Léa, comment tu vas aujourd'hui depuis le temps? Bon, ouais, ça fait un petit moment. Mais bon, bah, comme je l'ai déjà dit, c'était un peu compliqué en ce moment pour moi. Donc voilà, j'ai pas pu trop jouer. Mais je suis de retour pour plein de let's play. J'espère, et des visites deal. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. Et c'est Candy, celle qui nous manque. Et puis après, on aura fait tous les habitants incroyables. Je peux l'ouvrir? Ben ouais. En ce moment, franchement, on galère pas du tout et c'est trop bien. Ah là là, un tablier à cœur. Ah non, c'est pas un tablier de maman. J'ai cru. Il reste encore la salopette de ferme. Hein. Ah là là, c'est trop beau. Oh, mais c'est trop mignon. J'aime trop. Ah là là, ça lui va bien. Oh, ça lui va mais trop trop bien, j'aime trop. Bref, un petit peignoir, ok. Il n'y a plus qu'à trouver Candy et on aura vu tout le monde, c'est trop cool. Bon, juste Marty évidemment, comme je vous ai dit, hein, qui est en train de se prendre la tête et à qui on ne parlera pas pour essayer eh bien, de transférer la bulle. Et je vais essayer de rush pour faire partir Drago parce qu'il serait temps qu'il quitte l'île, c'est l'intrus de l'île, et puis qu'on puisse le remplacer par un ours ou un ourson. Alors, est-ce que Candy est réveillée et chez elle? J'ai l'impression de voir de la fumée de sa cheminée. Elle est chez elle et elle est réveillée. C'est parfait, ça. Salut, toi. Ah là là, ça lui va pas du tout, cette tenue. Oh, mais regardez les autres tenues qu'elle a eues. Oh là là, mais franchement, c'est éclaté. Oh, c'est ultra éclaté. Oh, elle a mis le gâteau de maman ici, c'est beaucoup trop mimi. Salut, salut. Mef, depuis le temps. Bah ouais, je sais, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue te voir. Mais voilà, maintenant je suis ici et j'ai même un cadeau pour me faire pardonner de mon absence. Ouais, Berlingo. Alors, tiens, voilà, c'est pour toi. Alors, attention. Oh, c'est la salopette de ferme. Je pense que ça va pas être ouf. Hein. Ah là là. Oh non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire plouf plouf. Mais je crois que je pouvais pas faire plouf plouf. Si, ah mais si, j'aurais pu faire plouf plouf. Oh, dommage, bon c'est pas grave. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? C'est la salopette de ferme. Ah non, une chemise uniforme. Ok. Oh, je vais la mettre de suite. Eh ben ok, c'est cool. Ah là là, c'est... Oh là là, c'est moche. C'est trop moche. Une tenue de jockey. Ok, merci. Ah là là, c'est moche de ouf. Ah là là. Non mais c'est vraiment éclaté. Ah non, ça lui va pas du tout. Non, oh, ça ne lui va pas du tout. Vous savez quoi, Candy? Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment à double tranchant parce qu'elle a un physique qui est trop mignon, elle est trop belle, j'adore ses couleurs, j'adore ses yeux et tout. Franchement, elle a été trop bien réussie, mais, les tenues, c'est chaud sur elle. C'est très 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 chaud. La tenue qu'elle avait d'avant, c'était moche. Et les deux autres choses que je vais vous faire là, ici, c'était très 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 moche aussi. Bref, bon, et ben essayez de passer une bonne journée quand même. Salut! Bon, finalement, on s'en sort bien sur ce let's play. Je suis hyper contente. Est-ce qu'il y a une... Je peux descendre normalement d'ici? Comment ça, je peux pas descendre? Ah, je l'ai peut-être enlevé. On va la remettre. Attendez. Ah bah, regardez. La vigne, elle est juste ici. On la remet. Yes. Et on redescend. Tout simplement pour se retrouver, eh bien, à l'endroit de l'arbre géant magique qui se trouve juste ici derrière chez Laura. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Bref, on s'en sort pas trop mal. Je suis plutôt contente de ce let's play. On a réussi à trouver tout le monde. On a offert des cadeaux à tout le monde, sauf à Marty. Et surtout, hyper important, la bulle de Marty qui va certainement nous permettre de faire partir Drago. Et ça, ça serait beaucoup trop cool. Comme ça, on va pouvoir partir chasser. J'ai envie de chasser. J'ai trop, trop, trop envie de chasser. Ça fait longtemps. Et en fait, moins tu fais de chasse, et plus t'as envie d'en faire, je sais pas, bon, bref. N'hésitez surtout pas, si vous me découvrez, je vous le rappelle, à vous abonner à la chaîne. Très prochainement, plein de lives
Fall Guys, et ça c'est beaucoup trop cool. Je sais pas si vous aimez bien Fall Guys, mais moi j'adore et j'ai trop hâte de tester sur Switch. En tout cas, il y aura encore évidemment des let's play et surtout des visites d'île sur Animal Crossing. Bref, je vous fais des énormes bisous, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, encore une fois, n'oubliez pas de poser un petit like, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis.